Tonight, as it is showed on the program, we're going to talk about the Arabs, the history of the Arab people, especially starting with this book, Histoire des peuples arabes, that I show you on the screen, from Albert Hourani. And then we're going to speak about the race and the creation of Islam from within that Arab culture. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des Arabes et de la naissance de l'islam à l'intérieur de la culture arabe, en se basant notamment de l'ouvrage Histoire des peuples de Albert Hourani. Histoire des peuples arabes d'Albert Hourani. Histoire des peuples arabes, pardon. Yes, yes. So, Albert Hourani, was born in Manchester from Lebanese parents. He studied in Oxford. He taught at the American University of Beirut. And during the Second World War, he worked at the British State Cabinet in charge of the representation in Cairo. After the war, he spent his entire career in Oxford University. Alors, Albert Hourani est né à Manchester de parents libanais. Il a été formé à Oxford et à l'université américaine de Beyrouth. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, il a travaillé pour le gouvernement britannique, c'est ça ? Oui. Et à la fin de la guerre, il a fini sa carrière à Oxford. Puis il travaillait pendant la guerre au Caire en tant que l'un des représentants du gouvernement britannique. Okay, so Albert Hourani, I have some problems with that name, presents his book like this. Donc Albert Hourani présente son livre comme ceci. He says that this is the story of the countries where the main language is Arabic and the majority religion is Islam. This history starts at the 7th century, when the new faith of Islam gets beyond the limits of the Arabic Peninsula, carrying out this Arab language everywhere Islam has been. And this history is going through all the way to nowadays. And as we know, there is a lot of turmoil in Arab Muslim societies. So, in regards to Pan-Arabism and so on and so forth. So it's very important to understand where the Arab identity, the Arab culture is coming from. What does it mean? How do we define it? And so on and so forth. Donc dans la présentation de son livre, Albert Hourani nous dit que c'est une histoire des pays où la langue principale est l'arabe et la religion majoritaire l'islam. Cette histoire commence au 7e siècle, quand la nouvelle foi musulmane franchit les limites de la péninsule arabique en portant la langue arabe partout où la conduit son expansion. Cette histoire se poursuit jusqu'à nos jours et Albert Hourani montre comment le devenir historique des Arabes a été lié à certains des faits majeurs de l'histoire universelle. La création d'un empire islamique et d'une culture arabo-musulmane aux formes originales d'expression intellectuelle et artistique. Et cette histoire continue jusqu'à nos jours, nous dit-il. Et c'est d'autant plus important de la connaître. On doit connaître les grandes lignes. Qu'il y a énormément de remous de l'autre côté de la Méditerranée dans ces sociétés dites arabo-musulmanes, en termes notamment de nalisme pan-arabe.
Et donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on entend par la culture arabe, d'où ça vient, comment est-ce qu'on la définit, etc. Ok? Oui. So, before anything, in his introduction of the book, the first chapter, sorry, the first chapter starts by this title, A New Power in an Ancient World. This is how Qurani is starting his book by telling us that Islam appeared in a very, very amongst ancient civilizations. The Sasanid Pers, Iranian, actual Iranian, the Farsi civilization, one side on the east, and the on the western side of the Mediterranean Sea, it was the Roman Empire, becoming at that time more or less fully Christian for a few centuries. Alors, le premier chapitre du livre s'intitule Un nouveau pouvoir dans un monde ancien. Et donc, on y voit que l'islam est apparu dans un monde ancien avec à l'est l'Empire perse et à l'ouest l'Empire romain qui à cette époque-là est christianisé pour son immense partie. Je vais lire en français, tu pourras traduire en anglais, ça te va? D'accord, ok. Alors, il cite l'un des grands intellectuels qui a travaillé sur ces questions, Ibn Khaldoun. Même si Ibn Khaldoun était certainement convaincu que leur univers existait depuis toujours, lui-même savait qu'il avait remplacé un monde antérieur. Donc, contrairement à ses contemporains, Ibn Khaldoun connaissait les racines de la culture arabo-musulmane, mais la plupart des arabo-musulmans de l'époque pensaient que l'islam avait en quelque sorte toujours existé, que le monde, que cet empire islamique émergent et qui a émergé en une centaine d'années, ce qui est très très court, avait toujours existé. Sous une forme approchante avant l'avènement de l'islam. J'ai pas noté les deux, excusez-moi. So Ibn Khaldun states the fact that he was aware that Islam emerged in an amongst very ancient civilizations. Much more ancient, much more older than Islam. But many Muslims at his time, he says, as a great intellectual, Ibn Khaldun, he says that many Muslims, while he was alive, Ibn Khaldun, thought that Islam existed since ever, or something approaching Islam was there forever. Donc, Albert Rouhani met en exergue le fait qu'il y a eu, au moment où l'islam émergeait, un changement profond. L'Empire romain était devenu chrétien, pas seulement par décret officiel d'un monarque, mais par conversion à différents niveaux. La majorité de la population était chrétienne, même si des philosophes païens enseigné à l'école d'Athènes jusqu'au 6e siècle, même s'il y avait dans les villes des communautés juives et si le souvenir des anciens dieux hantait encore les temples transformés en églises, le christianisme donna une dimension nouvelle au sentiment de fidélité envers l'empereur. Albert the fact that On t'entend pas en fait, Imad, ça coupe sans arrêt. the Imad? ah
Ça Quoi? coupe énormément, Ah on mince. t'entend même pas en fait. Je reprends. Est-ce que tu Maintenant. peux te mettre à un endroit où Allô? ça capte mieux? Allô? Allô? Alors, je reprends. Vous Mieux, oui. m'entendez? Ah, ok. Sorry. Albert Hourani was explained the fact that at that time there was a deep change, the fact that the Roman Empire was Christian, not only because of the will of the emperor, but through a huge conversion, even though there was Jewish people and the memory of the ancient God. But being Christian was a new way to be faithful to the emperor. Thank you. Parallèlement à l'Église orthodoxe officielle, nous dit-il, d'autres églises se développèrent qui s'en écartaient tant en doctrine que sur la pratique liturgique. Elles donnèrent un moyen d'expression à la solidarité de ceux qui parlaient une même langue autre que le grec, à leur résistance au pouvoir central, au pouvoir du pape, qui est devenu un pouvoir très puissant, impensable il y a enfin, quelques siècles avant l'avènement de cet empire romain désormais christianisé de l'intérieur. Allô? Allô? Alors, with the Orthodox Church, other church developed in a local level, with people who wasn't speaking Greek, which was a way also to free themselves, to take independence with the power of the Pope and with the central power of the Pope, which was becoming bigger and bigger. Thank you. So, Ourani cite ensuite différentes sectes, notamment la doctrine de ceux qu'on appelait communément les Nestoriens, du nom d'un penseur qu'on identifiait avec elle. Leur église était la plus importante chez les chrétiens d'Irak, au-delà des frontières orientales de l'Empire byzantin. Au 7e siècle, un nouveau groupe naquit d'une tentative de compromis entre les positions orthodoxes et monophysiques, les monothélites, qui soutenaient que le Christ avait deux natures, mais une seule volonté. Il existait par ailleurs certaines communautés qui soutenaient que le Christ avait une nature unique, composée de deux natures. Cette position, la doctrine monophysique, était professée par l'Église arménienne en Anatolie, par la plupart des chrétiens égyptiens, que l'on appelle coptes aujourd'hui, du nom antique de l'Égypte, et par beaucoup de chrétiens indigènes de Syrie, de langue syriaque. À l'est de l'Empire byzantin, au-delà de l'Euphrate, commençait un autre grand empire, celui des Sassanides. Et on va en parler. Alors, je vais commencer, je te laisse prendre la suite parce que j'ai pas Tout à pu fait, tout oui. noter. D'accord. So, Hourani explains that he talked about different sects, mainly the Nestorian doctrine, which was an important church in Iraq, and in the 7th century, a new group took birth between Orthodoxy and another doctrine, which is the doctrine monophysical. Alors, tu en es à la doctrine monophysique, Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. composée de deux natures, c'est ça? Oui. Oui. Yes, the monophysic doctrine,
which teach the fact that the Christ has two natures, he's God and he's a man at the same time. And then you have the Nestorians. The most important church in Iraq, beyond the beyond Byzantine, at the seventh, during the seventh century, a new group is emerging, trying to find a compromise between Nestorians and Monophysites, and they are called the Monothelite. And they thought that the Christ, peace be upon him, had two natures, but only one, absolute will. And beyond Byzance, beyond the Byzantine Empire, after the Euphrates, begins the Perse-Sassanid Empire, another big empire that we I quoted in the beginning of our presentation. Avant d'aller vers l'Empire Perse-Sassanide, je vous lis ce passage parce que je trouve qu'il est très important de savoir que l'islam, encore une fois, plonge ses racines, comme on l'a dit au tout début de l'année, dans des traditions monothéistes, juives et chrétiennes. Chrétiennes, on en est à peu près sûr, autant qu'on peut l'être en historiographie, en histoire, mais aussi juives, très probablement, parce que le prophète des musulmans, alayhi salat wa salam, avait très probablement des professeurs durant son jeune âge qui étaient vraisemblablement des mystiques, des moines chrétiens qui appartenaient à l'une de ces sectes qui n'était pas l'église orthodoxe majoritaire, mais qui prônait la nature humaine et du prophète Isa, Jésus, alayhi salam. So before we go on to recall the fact that Islam takes its roots in a monotheist tradition, mainly a Christian and Jewish tradition, Christian tradition is for sure, as we can be sure in historiography, because the prophet, peace be upon him, must have had teachers from one of these sects teaching the human nature of the prophet Isa, alayhi salatu wassalam. Et certaines personnes pensent que le prophète des musulmans, alayhi salatu wassalam, aurait été influencé par une secte minoritaire chrétienne. C'est pour ça que dans le Coran, même si on reconnaît Marie et Jésus comme des hommes et des femmes saints, des envoyés de Dieu, on ne le reconnaît pas de nature divine. Je pense personnellement qu'il est possible aussi de se dire que ça n'était pas en accord avec le message que le prophète des musulmans, alayhi salat wa salam, a reçu. Le fait que s'il y a une part de divin en nous, c'est une part métaphysique et certainement pas une part charnelle, comme le décrivent certaines versions dans certains passages de la Bible. Certains passages dans certaines versions de la Bible. So some people saw that the prophet of Muslim, sallallahu alaihi wasallam, may have been influenced by this sect, and this is one. This could be an explanation of why we find Jesus and Maryam in the Quran with a human, with their holy part, but without the divine part. And Ludo explaining that according to him, is also because having the divine part wasn't
according, was in accord, non, je traduis en anglais ici, là, with the message of the prophet. So he said, yeah, if we have a divine part within ourselves, it's metaphysical, not bodily, that it, I mean, not a carnal part of God within us, like some versions in some passages of some versions of the Bible presented, something that has been transmitted not only metaphysically, that we all have within us a part of God, and that maybe the Prophet Isa, peace be upon him, because he had a beautiful heart, and this is what the Quran says, that he was exceptional. So maybe he had it more than normal human beings or the majority of us, but it was not about being his flesh was not coming from God. That's how the Bible sometimes, in some versions of the Bible, explains it. And yes, the Quran does not explain the same thing. So that was maybe not in accordance to what the Prophet received as a message. Et vous avez donc un livre qui parle de cette question-là, des différentes natures du Christ, de la véritable histoire du Christ, selon les informations qu'on a à l'heure actuelle, qui est un livre écrit par un musulman qui s'appelle Mohamed Talbi, qui est décédé l'année dernière, Allah yarhamo, paix à son âme, Histoire du Christ. Ce livre est un peu radical dans son analyse des faits historiographiques et assez critique, un peu trop, je trouve, un peu trop acerbe envers certaines doctrines chrétiennes. Mais voilà, la nature du Christ, le message du Christ, alayhi salatu wasalam, ça aussi, ça nous concerne en tant que musulmans. Et il y a plusieurs chapitres du Coran qui en parlent, de nombreux versets dans de nombreux chapitres. Donc, c'est dans ce contexte, comme dit Albert Horani, que l'islam est apparu. L'islam n'est pas apparu du néant. Et l'islam n'existait pas de toute éternité, contrairement à ce que pensaient certains musulmans tout au long de l'histoire du monde arabo-musulman, et aujourd'hui encore certains musulmans pensent que l'islam a toujours existé en tant que tel. So there is another book talking about the different nature of Jesus Christ, and one from Muhammad Talbi called Histoire du Christ, Histories of Christ, of Christ. And Muhammad Talbi was a Muslim, and he had some tough explanation, analysis on the different nature. But it's important for us as Muslims to be aware and to know about Jesus, because he is mentioned in the Quran and he's one of the prophets. And it is within this context that Hurani explained that Islam wasn't existing forever, but arrived in a context. Okay, so do you have questions, suggestions, inputs about that, about the influence of previous civilizations on the emergence of Islam? Est-ce que vous avez des questions, des réflexions sur ce sujet à propos de l'influence des civilisations précédant l'islam sur l'émergence de l'islam? Yes, I always have a question. Maybe this is a little bit out of topic, but I always ask myself why religions, what is it called? Let's say the three religions that we know, monotheism, always, what is it, revealed in the Middle East.
I mean, is there any what is it historical analysis on this issue, or we just have to follow Which that? issue? I'm sorry, It I didn't is like understand. that. This monotheism religions that was always revealed in the Middle East, not in other geographical locations. Ah, yeah, that's a very good question. Donc sa question c'est, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a des études scientifiques sur le fait que le monothéisme, les religions monothéistes, pardon, sont toutes apparues vraisemblablement autour du bassin méditerranéen, au Moyen-Orient, ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, le croissant fertile, il fut un temps. I have told you about a book from Frédéric Lenoir called Petit traité d'histoire des religions. I will put it here also the title in comment. Petit traité d'histoire des religions. So he speaks about some reasons who might explain, according to historians and anthropologists, why monotheism appeared in Middle East and nowhere else. Donc je peux citer le livre de Frédéric Lenoir, Petit traité d'histoire des religions, qui parle de certaines raisons pour lesquelles les historiens, les anthropologues pensent que voilà, c'est pour ça que le monothéisme est apparu au Moyen-Orient. But I have to say that maybe no one knows. Maybe it's just a coincidence. I have to say that those theories, are very shaky from a scientific point of view, even though they are interesting. For example, he says, if I recall well, that it is because we had so many peoples living on that land. It was a land of passage. People were coming from north to go south, east to go west, and so on and so forth. It was at the crossroad of so many different, very, very rich civilizations for so many centuries that it is the perfect recipe in terms of sociology to produce some kind of unity in terms of clericalism and religious identities. You know what I mean? So because there's a lot of people, because there's a lot of war and suffering and doubts, but also exchange and dialogue and so on and so forth, people have found that it was more or less easier for them, in a way, to have only one God, only one religion, or at least one God. You know what I mean? Donc, Frédéric Lenoir présente plusieurs théories historiques, anthropologiques sur la raison pour laquelle le monothéisme serait apparu au Moyen-Orient. Moi, je pense que personne ne le sait vraiment. C'est l'œuvre du bon Dieu. Mais Frédéric Lenoir propose des explications pseudo-scientifiques, j'ai envie de dire, parce qu'on n'en sait rien, hein. Il n'y a rien qui le prouve. Et donc il nous dit, c'est parce que d'un point de vue sociologique, il y a eu tellement de brassage, de métissage, de passage de civilisations très riches pendant des siècles, voilà, concentrées autour de ce bassin méditerranéen, en particulier au Moyen-Orient. Ce serait la raison pour laquelle, au bout d'un moment, les gens, à force de se faire la guerre, de se réduire en esclavage les uns les autres, de critiquer les dieux des uns et des autres, etc., mais aussi de dialoguer, d'échanger des idées, de produire ensemble, de métisser, d'hybrider leurs convictions religieuses, leurs identités, leurs traditions, etc. Au bout d'un certain moment, ils ont fini par se mettre d'accord qu'en fait, Dieu est un. Tout ça, c'est, voilà, tous ces dieux qu'on décrit, ce sont différentes représentations de la même source divine. Donc, oui, je pense que c'est de fait plus ou moins comme ça que ça s'est passé, mais on n'en a pas d'idée très précise. And I will add that under the temple, the ruins of the first temple in Jerusalem, Al-Quds, we
still found some statues of other gods. So the first people considering themselves as Jewish, and even that is very complicated, because did they really call themselves Jewish? It was one group on the north and one other group on the south, so it was more or less two kingdoms. And anyway, but that Jewish people, when it started being called Jewish people, built some kind of temple that we still find some remains in Jerusalem. So that the temple existed, but it was not a monotheistic temple. At least they were also perhaps not only worshipping Jehovah, the God of Israel, but they were also worshipping for few centuries after the building of the temple other gods. So monotheism also didn't come out of the blue, you know what I mean? It was an evolution also. And same with the Zoroastrian religion, because it's one of the first, if not the first, monotheistic spiritual tradition on earth, in Iran, actual Iran, you know, very old religion, worshipping the fire, but worshipping the spirit of God within the fire. Anyway, so it was also built one century after another, and so on and so forth. So our religions are like living bodies, you know, we talked about that already, they evolve. Je vais traduire en français, hein, si tu veux bien, Iman. Oui. Et donc, oui. Le fait est qu'on a trouvé à Jérusalem, sous les ruines du premier temple, qui a bien été construit là-bas, par les premiers juifs. Alors, même ça, c'est compliqué. Est-ce qu'ils s'appelaient vraiment des juifs? Est-ce qu'eux-mêmes se considéraient comme des juifs? Il y aurait eu un royaume au nord, un royaume au sud de l'actuel Israël. Bon, bref. Mais en tout cas, ils ont construit un temple, ça on en est à peu près sûr aujourd'hui. Et sous les ruines de ce temple, on trouve encore aujourd'hui, certains êtres archéologues trouvent des statues de dieux païens qui n'étaient pas Jéhovah. Donc, on peut dire au moins que même s'ils considéraient que c'était une forme de monothéisme un peu à l'indienne, c'est-à-dire on a un dieu principal, mais qui a créé tout un tas de dieux qui sont ses filles, etc., etc. Le fait est que ils n'adoraient pas qu'un seul dieu, ça c'est sûr. C'est un fait historique avéré à l'heure actuelle. Et donc ce que je veux dire, c'est que le monothéisme a une histoire, qu'il n'émerge pas comme ça tout d'un coup de nulle part. Et même le zoroastrianisme, en Iran il y a des siècles et des siècles, des millénaires, qui serait le premier monothéisme. Ils adorent l'esprit de Dieu qui se trouve dans le feu, donc il faut toujours qu'ils aient dans leur temple un feu perpétuel qui ne s'éteint jamais. Enfin, bref. Donc, mais en tout cas, c'est une forme de monothéisme qui, là aussi, a évolué, comme toutes nos religions, on en a déjà parlé, elles évoluent constamment. Il ne faut pas penser que nos religions sont la représentation qu'on en a doit être statique, ça doit évoluer de manière générale. And I will add also something very important about that. Monotheism, Jerusalem. Oh yeah, and that's what is very interesting. And what, to continue to answer your question, some theories in anthropology and archaeology shows that Israel was not a people in the beginning, but it was a lot of refugees and former slaves fleeing away slavery and so on and so forth, and finding refuge in the mountains on the actual land of what we call Israel, Palestine. You know what I mean? So those people brought with them a lot of knowledge, a lot of traditions, a lot of beliefs, and little by little they started, you know, abandoning their old beliefs to create altogether a new one. And maybe, some people say, it was easier for them to make peace, because they were all refugees and all helping one another to live together, and they said, okay, let's say that God is one, because, you know, the spirit of God is everywhere, and if you call your God like this and I call my God like that, and we are fleeing away from so much suffering and very, very violent traditions amongst our people, we have found peace here,
So let's create something new. So some people say it's because it was so diverse that it became monotheistic. I mean, in terms of beliefs. You know what I mean, Anwar? Yes. So yes. I will translate. Et donc, certains historiens et anthropologues rajoutent que le peuple d'Israël à l'époque n'était pas un peuple comme ça qui est sorti de nulle part, mais que c'était principalement, vraisemblablement, des réfugiés, d'anciens esclaves, etc., qui ont fui les oppressions, les guerres, l'esclavage, etc., et qui se sont réfugiés sur les montagnes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Israël, la Palestine. Et ils ont amené avec eux leurs croyances, leurs traditions, leurs cultures très diverses, chacun, chacune. Et à un moment, ils ont trouvé plus simple, en quelque sorte, de créer quelque chose de nouveau tous ensemble. Et ça, c'est dans l'ordre des choses. Un groupe humain fait vivre ses traditions, les fait évoluer, en crée de nouvelles en permanence. Et donc, à un certain moment, ils se sont dit, vraisemblablement, probablement, voilà, toi tu appelles ton Dieu comme ça, moi j'appelle mon Dieu comme ça, mais en fait l'Esprit de Dieu est partout, c'est plus ou moins la même chose. Et puis chez nous, on adorait ces dieux-là, mais on a beaucoup souffert chez nous, donc peut-être qu'on va abandonner ces traditions et qu'on va aller vers quelque chose de plus unitaire. Donc en fait, le monothéisme serait né de cette diversité culturelle et religieuse. Et c'est assez plausible. Même si, comment est-ce que ça s'est passé très exactement, on n'en sait rien, vu qu'on n'a pas de traces écrite claire datant de l'époque où ces choses-là se sont passées, où ces événements se sont déroulés. So very interesting theories, but we don't know for sure because we have no precise writing, you know, no scripture, no precise scripture of that time remaining up to our day nowadays. You know what I mean? So we're still in trying to understand. So what do you think about those theories? So basically it's like nation buildings. I mean, you know, sometime when we create a nations, I mean, we are trying to unite a lot of different ethnicities, a lot of different culture, a lot of different race, for example, and then we create some kind of an imaginary concept that finally will unite all these differences. So that's, if I'm not mistaken, that's what I get from your explanations, that basically religions evolve based on this kind of thing. I mean, try to unite all these differences. Yes, exactly. That's exactly the point. Religion is rooted in culture, and it's a pragmatic way in the beginning to create more link between people, you know, and to face their difficulties together and to be more social, more caring, more loving. So this is a link. And religare, and this is also something you would find in the book from Frédéric Lenoir, in ancient European language, in Latin, sorry, means creating link. And some people say, yeah, to create link. This is the etymological meaning of religion. You know what I mean? So this is exactly it. Religion, the goal of religion is to create link, and it's a consequence of people living together and having joys and celebrations and spiritual gatherings together. This is what religion is supposed to be. And then it could be hijacked to sustain fascism. But fascism, the true source of fascism is misery, lack of emancipation, and so on and so forth. And yes, we have to work on that, and this is what we're doing. Religion could sustain also that fascistic identities one day lays, unfortunately, because it's part of culture. So this is also another proof that it is part of our culture for the best and the worst. Donc Anwar me disait, mais en fait la religion, quelque part c'est un produit de la culture, ça crée du lien, les gens le produisent parce qu'ils en ont besoin. Mais c'est exactement ça. Ça n'est pas quelque chose qui descend du ciel tout d'un coup. Et si c'est inspiré par Dieu, je le crois, de toutes les façons, c'est quelque chose qui émerge au sein d'une culture. Et religare, c'est quelque chose que vous trouvez dans le livre de Frédéric Lenoir en latin,
épistémologiquement, ça vient de créer du lien. Donc c'est ça, c'est créer du lien. Et plus on crée du lien, plus on a des célébrations, des joies, des fêtes ensemble, des rencontres, de la socialisation, plus il y a du spirituel et à un moment ça devient une forme de religion, plus ou moins institutionnalisée, plus ou moins élitiste, plus ou moins égalitaire, mais c'est un produit de la culture, c'est pas quelque chose qui descend du ciel. Salam Victor, ça va? Salam Victor. Salut ah à oui, tous. Ça a été compliqué parce que j'ai pas reconnu ta photo sur Pipi là. Je suis désolé, sinon j'aurais dû. J'avais, je pense. Ah oui, c'est fou, ils ont volé ton compte. Oui, je ne sais pas, mais je suis là. Alhamdulillah, mashallah. Yes, Victor had a problem with his account. Oui, Ludovic, je voulais quand même te poser, enfin, je sais pas, pour l'instant, comme je suis complètement en destruction au niveau religieux, je voulais dire, est-ce que ce serait pas. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une source et que c'est dans cette source, on l'a divisée, ça a été une division. Un écrit qui a été divisé dans différentes traditions. Moi, je pense que. Si on remonte, qu'il n'y a jamais eu en fait de christianisme, de judaïsme et de religion musulmane, qu'elle descend au contraire d'une autre source et qui a été récupérée et divisée. So the question from Rashida is, she said, I think that maybe it's about one source and then it has been divided. There's no Christianism, there's no Islam, there's no Hinduism. It's only one faith, and then it has been divided. Peut-être, Rashida. I think this is an interesting thing. So let's have a brainstorming about that. What do you think about that? How would you answer that question without contradicting our Islamic ethic, but at the same time recognizing and endorsing and using scientific facts to reinforce your Islamic representation of of religion and religious history. Donc comment est-ce que vous pourriez, on va faire un tour de table, comment est-ce que vous pourriez répondre à cette question sans être en contradiction avec votre éthique islamique, mais au contraire en utilisant les outils scientifiques, les faits scientifiques, pour renforcer votre représentation de l'islam. What would you say? Qu'est-ce que vous diriez? Very interesting. Très intéressant. I'd like to start with that. Actually, we know a little bit about that already because we, when we, I read some articles about the situation before Muhammad got his revelations, and the situation with the Arab tribes was that there was a little bit of Christianity, but not so much. And a little bit of Judaism, but not so much. And in fact, sorry. Pardon, j'ai été coupé. Du coup, j'ai rien entendu. Continue, Christian. Thank you. Okay. And but obviously there was a general idea of a sort of Abrahamistic general religious flow about a sort of father figure God and a and these kind of things. And when Muhammad had his revelation, the first person he attended to was his cousin or great uncle or something like that, a relative from his mother's side who was a Christian. And he also got into contact with Jews, and in the first 3 years there was no second revelation. So I think a lot of there was a lot of impact on the early Islam from other cultures, but it was actually based on a general atmosphere of monotheistic
godlike thinking, which was actually based on the Abrahamitic first monotheistic string, let's say, or so. Donc Christian nous dit que, en gros, même si l'islam a émergé à partir du moment où le prophète est venu délivrer son message, la première personne à qui il a été se confier après la première révélation, alayhi salatu wassalam, c'est auprès d'un des membres de sa famille qui était chrétien, selon Christian. Il parlait beaucoup avec des juifs pour leur demander conseil, etc. Et l'atmosphère générale, nous dit Christian, c'était plutôt une atmosphère monothéistique qui était elle-même baignée dans une forme de foi qui datait de l'époque d'Abraham. Ok, Christian, this is exactly what the Islamic dogma is saying. But the majority, as mm-hmm. we know so far, of Arabs at that time were not monotheistic. They were believing in many, many different gods. And Yes. Plus, I don't know if it really answers Rashida's question about where does it come from. It's not about monotheism emerging from a diversity of gods, but she says that maybe it's the other way around. It was monotheism in the beginning, as you said, and then they started having many, many different gods and so on and so forth. So, but this is very, very conform to the Islamic dogma, so I have a problem with that, because for me, it's not taking into account scientific theories about the evolution of human representations, and maybe we can use also mysticism to try to understand the metaphors about monotheism contained in the Quran, instead of trying to copy and paste our actual representation of Islam to what happened before Islam. That's what Ibn Khaldun in this book says, when Albert Hurani says that many people, few decades after Islam appeared, thought that Islam always existed, you know? And this is more or less what we are doing also. 1,400 years after Islam, we still, many Muslims think that Islam was always there, even before the Prophet Muhammad, peace be upon him, and the Prophet only came to revive, you know, what some people tried to corrupt. I don't believe in that. I think that Islam was something new, and because it was answering new questions, sociologically, politically, spiritually, mystically, and so on. But yes, Islam was using old concepts, of course, because we're still human, the same way they were human 10,000 years ago. Ok, donc, Christian, est-ce que tu veux traduire, Iman? Je sais pas. Non, je veux bien te laisser traduire comme ce que j'ai traduit. Oui, alors Christian, je sais plus à partir de quel moment j'ai traduit ce que Christian a dit. En fait, c'est ta réponse qu'il faudrait traduire. Oui, d'accord. Donc, je reconnais une forme de véracité à ce que dit Christian, mais je pense qu'on pourrait pousser plus loin, parce que c'est ce que nous dit Christian, c'est quand même assez exactement conforme au dogme musulman le plus strict, le plus traditionnel, le plus essentialisant, avec, comme disait Albert Rourani, je vais y arriver, déjà Ibn Khaldun à son époque, il y a des siècles de cela, nous disait que la plupart des gens n'étaient pas conscients que l'islam n'a pas toujours existé. Et aujourd'hui encore, on a des gens qui pensent que l'islam a toujours existé. Une forme de monothéisme plus ou moins islamisé, qu'on appelait peut-être autrement. Certains vous disent même qu'on appelait ça l'islam. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Je pense que l'islam est quelque chose de nouveau à son époque, c'est pour ça que ça a eu un succès, et que les gens ont fini par y adhérer en masse. C'est parce que ça a répondu de manière révolutionnaire et nouvelle à de nouvelles questions sociologiques, politiques, métaphysiques, mais en utilisant bien sûr d'anciennes recettes, d'anciens concepts, parce qu'on est toujours des êtres humains, comme il y a 10 000 ans d'ailleurs. Et donc peut-être qu'en utilisant la mystique, une interprétation plus métaphorique de certains versets qui parlent de cette historiographie islamique et des racines de l'islam dans le Coran, peut-être qu'on arriverait à inclure plus facilement, plus authentiquement, ces théories scientifiques qui sont basées sur des faits,
scientifiques qu'on interprète, toujours pareil, hein. L'histoire c'est pas une religion, c'est pas un dogme, ce sont des théories, mais de mon point de vue, il manque quand même quelque chose au puzzle là, de dire que l'islam a toujours existé, que les gens ont toujours été monothéistes, alors que la plupart des faits historiques et des recherches archéologiques nous montrent que ben, toutes les tribus qu'on connaît aux quatre coins du monde avaient différents dieux, avaient des totems, avaient des petites statuettes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire, Rachida ? Oui, tout à fait. Donc, oui, tout à fait. Oui. De monothéisme, de quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle d'un seul nom pour un seul dieu, pour une seule image de dieu ? Ou est-ce qu'on parle du fait que ces gens-là, peut-être tâtonnaient en attribuant un nom à chacun des attributs de Dieu ? Quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Ça pourrait être une piste de réflexion pour comprendre en fait pourquoi le message de l'islam est venu à telle époque et comment est-ce qu'il est venu de cette façon-là. So, maybe one of the paths that we can use to go beyond that dogmatic Islamic representation of monotheism might be about, you know, in archaeology, in history, we find out that in every tribe, almost every tribe around the world, throughout ages, humans had different statues, different names for different gods. So maybe when we talk about monotheism, we have to work on our representation of monotheism in order to be able to understand those verses of the Quran speaking about the fact that this is not something new. It always has been like this. Yeah, it always has been like this, but in different contexts. Maybe we can say that those people, those tribes, used to give a specific God name for each attributes of God. So maybe their understanding of God was emerging slowly but surely, one century after another, you know what I mean? And now we're having a more precise, perhaps, representation of the divine. Maybe we should not even name the divine, because this is so much beyond our representation. And maybe monotheism is starting to be pagan and very, very, very much into idolatry, like some people worshipping Islam and dogma more than they worshipping the divine truly. Et peut-être qu'aujourd'hui le monothéisme lui-même est en train de devenir une forme d'idolâtrie avec des gens, peut-être qu'on ne devrait même pas nommer Dieu maintenant, c'est tellement dangereux. Vous avez des gens qui adorent le terme Allah, qui adorent le dogme islamique plus qu'ils n'adorent le divin. Donc il y a des dangers de perdition et de tentation, d'essentialisation ou de fascisation partout où qu'on aille. So there is dangers of essentializations and fascistic identities and idolatry everywhere, even within monotheism. This is what we talked about last week when we talked about Jahiliyyah. This is in each and every one of us. This is not about what was before Islam was bad and then Islam came and was perfect. No. Jahiliyyah, as Isu Tzu told us, is potentially in every Muslim also, unfortunately. C'est ce qu'on voyait la semaine dernière quand on parlait de Jahiliyyah, ignorance, ignorance. Jahiliyyah, c'est pas avant l'islam c'était horrible et après l'islam c'était merveilleux. Non. Selon Isu Tzu, les premiers musulmans étaient très 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 conscients du fait que le Jahiliyyah était en chacun d'entre nous, potentiellement, mais en chacun d'entre eux, dans chaque musulman, dans chaque musulmane, et qu'il faut toujours y faire attention à cette ignorance-là. Any other idea about how to reconcile the so-called dogmatic Islamic history of monotheism and the scientific facts about diversity, religious diversity throughout human history? Est-ce que vous avez d'autres idées pour réconcilier cette représentation dogmatique du monotheisme et puis ces faits scientifiques qui nous parlent de cette pluralité religieuse à travers l'histoire de l'humanité? Il faudrait retourner à la source, à la grande source. Je ne parle pas de la source musulmane, parce que dans l'islam,
dans l'islam, le judaïsme et le christianisme et toutes les autres religions, enfin, c'est un puzzle. Mais nous, je pense que comme tu as dit, dans cette idolâtrie et jahiliya, ça s'arrêtait à l'islam. C'est une énergie que Dieu a, nous, on pourrait dire Dieu, notre conscience que Dieu a mis sur cette terre pour retourner à la source. Et nous, j'ai l'impression qu'on s'arrête justement à cette croyance qui est l'islam. Je pense que c'est juste un moyen de retourner à quelque chose de plus grand. Oui, c'est juste un moyen, ça doit rester un moyen. Ça ne doit pas être la finalité, absolument. Et c'est ce qu'on avait vu au tout début de l'année, avec les différents niveaux d'évolution entre l'islam, l'ihsan, etc. Ou le ma'rifa aussi. Donc il y a plusieurs stades d'évolution spirituelle, et l'islam n'est que le premier stade, n'est qu'une porte d'entrée, mais ce n'est pas la fin, la finalité de la pratique spirituelle. La finalité de la pratique spirituelle, que ce soit en islam ou ailleurs, c'est l'éveil spirituel, effectivement. So, yes, Rashida said about the fact that maybe we should think of Islam as a tool, not Islam itself, but the message of Islam, the ethic within Islam, the teachings of Islam, the axiology within Islam. And I said, yes, I think that we talked about that in the beginning of the year, about the fact that there's different stages in the Islamic mysticism. The first one is Islam, but this is only the entry door, you know? And the second one, Ihsan, and then Ma'rifa, and you remember all of that? So, yeah, Islam is only a tool. We don't have to worship Islam. Someone could tell us more about that? Quelqu'un peut nous en dire plus à ce sujet? Après, je vais reprendre rapidement le bouquin, mais très rapidement. Bon. Bah, pour moi, il y a aussi un élément qu'on a beaucoup parlé dans les différents échanges. C'est qui revient à cette idée qu'on a tous un peu du divin en nous. Et donc, on a du divin en nous, mais on est également un espace terrestre, à un moment de l'histoire, avec un grand H, mais également de notre histoire. Donc, on arrive avec ce divin en nous, mais tout en restant terrestre. Et donc, le fait d'être terrestre fait qu'on va être dans une espèce de multiplicité et qu'on va. Et c'est pour ça ce que disait Rachida, je trouve ça intéressant. Le fait qu'on ait une source et que cette source se déploie ensuite sous différentes formes. C'est parce que l'être humain est lui-même multiple, il n'est pas unique. Et parce qu'il n'est pas unique, il va se nourrir de ce qu'il y a autour de lui. Et donc la religion comme religere va faire son lien par cette source qu'on a un petit peu en nous. À un moment, le un petit peu et un petit peu ensemble va faire une unicité, une union, et va faire un et créer du lien. C'est la notion du tawhid, du coup. Voilà. Le tawhid, c'est pas le fascisme et l'uniformité, le conformisme. Le tawhid, c'est l'unicité de la source de toute création. Et donc c'est l'égalité finalement, dans la diversité, dans la pluralité. Exactement. Voilà, exactement. C'est le paradigme du tawhid qu'on avait vu aussi. L'unicité dans la pluralité. Ouais. Tu veux traduire? J'arrive pas à me traduire, j'essaye de le faire, justement, j'y arrive pas. Ah ben, redis-le à ta façon en anglais, tranquillement. I was saying that this. If we come back to the idea, something we talked about during different sessions, the fact that we all have a divine part on us. So we have this divine part, but we are also on earth, so on our... Ah, on t'entend plus, Imad? On t'entend plus du tout, but I will translate. I will try to translate what you said. You said that we have maybe to go back to Tawheed.
Tawheed, which is a key concept in Islam, talking about unicity in plurality. So pluralism, diversity, is not a bad thing. It's part of God's creation, and we all equal in front of that divine source of creation. So if we go back to Tawheed, which is the basis of the Islamic ethic of Islamic monotheism, it's not about conformity and uniformity and fascism. It's about that respecting diversity as a creation of one source. So that's why we are all equal. And j'ajouterais effectivement que la diversité des genres, des cultures, des traditions, etc., c'est loué par le Coran. C'est quelque chose qui est décrit comme étant très positif, comme étant l'un des miracles de Dieu. Vous êtes tous faits pareil et vous avez créé des choses tellement différentes. C'est magnifique, ça fait partie des miracles du divin. So, I will add also that, we talked about that also before, the fact that diversity of cultures, genders, languages, and so on and so forth, is part of God's miracles on earth, telling us, you see, you're all the same, you're all equal, but you're producing so much different expressions and arts and creations and so on. So, yeah, all of that is presented in a very positive way in the Quran. Victor, Anwar, Christian, would you add something? No, ça va. No, right now not. I'm really thinking about that a lot now. Because I understand that we are facing dogmatic structures or teachings. So it's really difficult to find out what is real and what is dogmatism. It's really difficult. Yes, really difficult. And maybe we will never understand it fully, but we have to. The process is interesting, more than the answer, perhaps. Donc c'est difficile, me dit Christian, de voir, de faire la part des choses entre dogmatisme et éthique, libératrice. Mais peut-être que c'est dans le processus qu'il y a les choses les plus importantes. C'est pas tant la réponse qui nous importe. C'est le fait d'y réfléchir encore et encore, ça c'est intéressant. De remettre en question, de reconstruire, etc. De jamais s'enfermer dans un dogme nouveau, quand bien même soi-disant libérateur. Ok, so, I will continue the reading from this book. Page 48, Albert Hourani, in his History of Arab People. This is very interesting because we were talking about diversity and the project of Islam, why people converted to Islam so massively, and what was the context before and at the beginning of Islam and so on. So he says that when Muawiyah in 661, he was both, arrived on power, he was after the Khulafa, after the Caliphs, you know, the companions of the Prophets. And Muawiyah is someone who used to be a powerful, rich man at that time, and he took the power by the force. So many Muslims has been killed, they had a civil war, but he kept the power between his hands, and it became, after that, something like a royal family. His family became like a royal family for Muslims. And that was more or less the end of that kind of plural diversity within unicity of the Muslim community, you know. Even though they always had problems, even during the time of the Prophet when he was alive, but especially after his death, because many, all Khalifs, to my knowledge, if I remember well, has been killed. You know, only what many Muslims consider the Khulafa Rashidin, like the main Khalifs, and then after that, it was finished. We only had people fighting for power and new sects appearing and so on and so forth. So he says that Muawiyah is the beginning of that new era for more
more conformity, more uniformity, and many people think that he was the first Sunni king. And all the other sects at that time were considered to be Shia, were considered to be non-Orthodox. So, yeah, they had a lot of problems because they tried to, some of them tried to revive, not all of them, but some of them revived, tried to revive that diversity within Islam that Muawiyah and the people from his family, not for spiritual, mystical reasons, many people say he was just interested into money and power. I mean, he understood that religion was a very, very powerful tool to get even more power. But anyway, I was not alive there, I'm not in his head. So I would just say that many people, historians and many Muslims, consider him the first, the founder, if you want to call it that way, the founder of Sunnism. Okay. Donc c'est très intéressant parce qu'on parlait de cette question de la diversité au début de l'islam, etc. Et donc Albert Ourani, du respect de la pluralité dans l'unicité. Et Albert Ourani nous dit que l'arrivée au pouvoir de Muawiyah, 661-680, a toujours été considérée comme un jalon qui marque la fin d'une époque et le commencement d'une autre. Muawiyah, donc, c'est un homme qui était puissant, riche, et qui se serait approprié le califat, le pouvoir suprême à la tête de tous les musulmans à l'époque, pour des raisons financières, pas pour des raisons mystiques ou spirituelles. Il n'était pas trop intéressé par la religion, mais il avait compris que la religion, ça pouvait lui permettre d'avoir encore plus d'argent et de pouvoir. Je ne suis pas dans sa tête, je n'étais pas vivant à l'époque, mais c'est ce que la plupart des gens de son époque pensent. Et la plupart des historiens le considèrent comme étant le fondateur du sunnisme, parce qu'il a fondé une dynastie finalement. Après, ce n'était pas l'homme le plus valeureux qui succédait au calife qui décédait, mais c'était ses enfants qui ont succédé, et ainsi de suite, jusqu'à l'avènement d'une nouvelle dynastie. Les quatre premiers califes, nous dit Albert Ourani, d'Abu Bakr à Ali, sont appelés par la majorité des musulmans les Rashidoun, les bien guidés. Les califes ultérieurs ont été vus sous un jour bien différent. D'abord, leurs fonctions étaient désormais pratiquement héréditaires, même s'il persista une vague idée de choix ou à moins de reconnaissance officielle par les chefs de la communauté. Dans les faits, le pouvoir fut à partir de cette date aux mains d'une famille, celle des Omeyyades, ainsi nommée du nom d'un ancêtre, Romeya. Donc c'est le début de la cléricalisation, de la dogmatisation de l'islam, un islam qui a été entre les mains des politiques, de politiciens, de gens riches et puissants qui ont voulu faire de l'islam un outil d'uniformité et pas un outil de diversité. Donc là on est déjà quelques années après la mort du prophète, très très loin des idéaux du monothéisme, ça c'est sûr, hein. So a few years after the death of the Prophet, peace be upon him, we are far away from the ideals of monotheism, as you can see. So that jahiliya, that clericalism, all the powers between the hands of one elite, including the religious power, that's not Islam to me. Sous ce rapport et d'autres encore, on pourrait voir une ressemblance entre les Omeyyades et les rois barbares de l'Empire romain d'Occident, colonisateurs malhabiles d'un monde étranger qui poursuivait son existence sous la protection de leurs armes. Il y avait une grande différence cependant, les rois occidentaux n'avaient pas introduit grand-chose de leur cru qui put tenir le choc contre la force de la civilisation latino-chrétienne qui les aspirait. L'élite dirigeante arabe amenait en revanche avec elle un apport qu'elle allait conserver au sein de la haute culture du Proche-Orient et qui, modifié et développé par cette culture, se doterait du langage dans lequel il pourrait dorénavant s'exprimer, la croyance en une révolution donnée par Dieu au prophète Mahomet en langue arabe. So what he says is that some people might think that those Umayyads have a lot in common with barbarian kings at the time of the Roman Empire. They were colonizing, they were killing a lot of people, taking people as slaves and so on and so forth. But there is a great difference, he says, because those barbarian kings, non-Roman kings from Northern Europe and so on, who finally destroyed the Roman Empire, by the way, or colonized it, it depends how you see it,
did not bring, he says, did not bring something as valuable as those Arab kings brought. Those Arab kings brought a religion, an ideology, a philosophy of life, a language, a book, the Quran, a holy book, given to Muhammad, peace be upon him, in Arabic language by God himself, herself, itself. So that is also very interesting, because monotheistic religions could be serving art, literature, politics in a good or bad way. So this is how the Arab civilization out of the sand of the deserts in Arabia, 7th century, became, he says, part of the high Middle Eastern culture. Ok, donc ensuite, il nous parle de certaines sectes islamiques, comme par exemple les Kharijites. Les différends sur la succession au califat, et oui, parce qu'il n'y a plus de légitimité, c'est un pouvoir qui a été imposé, donc beaucoup de, encore plus de luttes intestines. Les différends sur la succession au califat et la nature de l'autorité dans la communauté musulmane eurent une importance plus durable. Contre les prétentions de Muawiya et de sa famille se dressèrent deux groupes, l'un et l'autre si informels cependant qu'ils voudraient mieux les qualifier de tendance. Il y avait d'abord les divers regroupements appelés Kharijites. Les plus anciens étaient ceux qui avaient désavoué Ali lorsqu'il avait accepté un arbitrage le jour de la bataille de Siffin. Ils avaient été écrasés, mais des mouvements ultérieurs reprirent le même nom, en particulier dans les régions contrôlées par Bassora. Face aux prétentions des chefs de tribus, ils soutenaient qu'il n'existait dans l'islam d'autres préséances que celles de la vertu. Seul le musulman vertueux pouvait régner en tant qu'imam. Donc c'est très intéressant parce que c'est le début finalement du djihadisme, comme on l'appelle aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque kharijisme, et qui n'était pas quelque chose de répandu, qui était ultra minoritaire et qui était condamné par la plupart des musulmans, parce que ces gens-là, certains d'entre eux allaient jusqu'à assassiner des leaders religieux, des leaders politiques, parce qu'ils ne les considéraient pas comme étant vertueux. Donc il s'adonnait à ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme. Et encore une fois, ça ne faisait pas partie de l'islam des origines, c'était quelque chose qui était combattu par l'immense majorité des musulmans eux-mêmes. Cette violence, ce terrorisme, cette radicalité en termes de dogmatisme et de puritanisme, comme on dirait depuis l'époque moderne. Ok, so, because it was imposed, that leadership, that Islamic leadership, since Muawiyah, a lot of sects appeared, and some of them were very violent, like the Kharijit, because those Kharijit, in Arabic it means getting out against, to fight against the leader in place. So, were against the leaders in place at that time, and they were killing political leaders, religious leaders, imams, and so on, because they were considering that they were not virtuous enough, they were not pious enough. So this is the beginning. The Kharijit is a minority sect at the beginning of Islam, and this is not the majority of Islam. This is what we call nowadays terrorism, jihadism. And the majority of Muslims were fighting them, and they erased that sect, because they considered that it was not Islam. So terrorism, that radical terrorism and radical violence is not part of Islam in the beginning, and now there is neither, even though some people want to say so. I needed to say something more about that. J'avais besoin de dire quelque chose de plus par rapport à ça. Ok. Voilà pour ce livre, Histoire des peuples arabes. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire
des peuples arabes de Mahomet jusqu'aux Omeyades et l'âge d'or des Abbassides, les grandes conquêtes musulmanes qui ne se sont pas faites sans violence, malheureusement, mais bon, comme toute civilisation. Vous pouvez lire l'historiographie écrite par le célèbre Tabari, qu'on a déjà cité, qui est très détaillé. Il y a 5 ou 6 volumes, je l'ai oublié, mais c'est très très intéressant. Il y en a 5. Pas toujours, c'est quasiment jamais référencé, donc ça c'est un problème. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour avoir acquis une culture générale. Je vous recommande vraiment vivement de lire ce bouquin. Culture générale sur l'islam et ici sur l'histoire du monde dit arabo-musulman. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'islam après les Arabes, parce que très rapidement les Arabes sont morts, les Arabes qui se considéraient comme Arabes culturellement, génétiquement, j'ai envie de dire, ont tellement guerroyé, se sont tellement entretués que certains historiens musulmans, quelques décennies après l'avènement de l'islam, vous disent, bah, il n'y a plus d'Arabes, hein, ils sont tous morts, ils sont tous entretués. Et donc le pouvoir islamique a migré vers le nord de la péninsule arabique, vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient et l'ancienne Mésopotamie finalement, l'Irak, la Syrie, la Palestine, etc. Vous avez un très très beau livre, Histoire de l'Empire Ottoman, les Ottomans qui n'étaient pas des Arabes, qui étaient des Turcs islamisés, qui ont débarqué du Caucase et qui se sont installés en Anatolie actuelle, et qui se sont finalement convertis à l'islam, là aussi peut-être par opportunisme ou par illumination, ça dépend des gens, ça dépend des leaders, ça dépend des cœurs de chacun, mais c'est un très très beau bouquin, plein de détails, très bien référencé là pour le coup, sur l'histoire d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand empire islamique de notre histoire passée, l'Empire Ottoman. Et c'est sous la direction de Robert Mantrand. C'est vraiment un livre académique par excellence. Et puis l'histoire contemporaine du Maghreb de Jean Gagnage, de 1830 à nos jours. Là, c'est l'histoire du monde, d'une partie de ce monde dit arabo-musulman qui n'est pas arabe. Là aussi, le Maghreb a été conquis par des peuples islamiques, islamisés et qui n'étaient pas des Arabes, qui avaient le pouvoir au sein de cette civilisation arabo-musulmane émergente, mais qui venait d'Irak, de Syrie, de Grèce, d'actuelle Turquie, enfin, mais qui n'étaient pas des Arabes au sens premier du terme. Et donc ça aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de cette histoire arabe et jusqu'à l'émergence du panarabisme, cette reconstruction comme ça un peu ad hoc de l'histoire des Arabes et à des fins nationalistes et xénophobes. Un dernier livre, Les chiismes dans l'islam, Henri Laoust. Si vous voulez en apprendre plus sur les chiismes en islam, sur la façon dont se sont produites ces différenciation entre différentes sectes à l'intérieur de l'islam, ça c'est vraiment un livre incontournable. Ok, so a few books, the history of Tabari, a lot of details from Muhammad, peace be upon him, to the Umayyads, very interesting book. We already talked about that book, a very famous book, Tabari. Another book, Histoire de l'Empire Ottoman, from Mantrand, Robert Mantrand. It's an academic book, very, very important book about the biggest Islamic empire, the Ottoman Empire. They were not Arabs, they were Turkish people coming from Caucasus, and then they moved to Anatolia and they took the power from the former Muslim leaders to make it their religion and their leadership. Very interesting how culture is producing religion and how religion now after a while is helping power to reproduce itself in different forms. Very, very interesting. History of the Maghreb, which is not an Arab region but has been Arabized, and how we are
seeing that Pan-Arabism, that Arab nationalism, building that idea that Arab nationalism, Arab identity is always the same for centuries now, and we have to revive that to exclude everyone who is not Arab and so on and so forth. That ideological manipulation, very interesting to see how it was taking place in Maghreb since the 90th century. A last book, if you want to learn more, I don't know if it's translated, but learn more about Shiism in Islam, this is a must. Henri Laoust, Shiisms in Islam. This is a very interesting book about how the different sects and when the different sects appear within Islam. Okay, we still have some time. I hope you got something out from that session. Could you tell us what did you get out from that session, and what do you agree with, disagree with, what do you think of when you hear what we just talked about? Donc j'espère, on a encore un peu de temps, j'espère que vous avez apprécié cette session. Est-ce que vous pourriez me dire chacun, chacune, ce que vous avez retiré de cette session, ce avec quoi vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, les questions que vous vous posez encore? Christian, you want to start? Christian, my brother, are you here? Bon, moi je vais me jeter. Hein. voilà, moi je suis d'accord sur l'histoire en elle-même, même si j'adore dire je n'y étais pas, je m'en fous. Je n'y étais pas, j'en sais rien. Voilà. Je n'y étais pas, j'en sais rien, les constructions, déconstructions, l'histoire a été bien faite, bien dessinée, pour bien faire joli, on peut faire une belle histoire comme on peut faire une mauvaise histoire. Moi, je pense que il y a un autre couloir qui est un autre chemin, d'accord. J'ai rien contre l'histoire. J'adore l'histoire. J'ai toujours adoré l'histoire. D'ailleurs, j'ai ma petite fille qui adore l'histoire. Mais elle, c'est l'Antiquité grecque, les dieux, tout ça, ça la passionne. Et moi, je trouve ça tellement beau de croire qu'il y avait tellement de divins. Maintenant, dans l'histoire de l'islam, je pense que elle est très belle, mais elle n'est pas nécessaire pour moi. Quand on est dans une autre voie, tout simplement. Je ne parle pas de la voie spirituelle parce que même ça, on m'a éjecté déjà. J'étais éjecté de l'histoire aussi. On peut traduire Iman peut-être. Oui, Rashida was saying about history, it's true, but even if it's true, she loves saying, I wasn't there, so I don't care. And she's saying that if the history, she really likes history, but whatever, even if it's beautiful, there is something other, more important. The history. C'est sûr que je me demande est-ce que c'est nécessaire de revenir à l'histoire. Certes, moi je pense que d'un côté, oui, mais pas spécialement en même temps pour avancer. It's important to go through history. Advance, but it is not. It is not mandatory, she says. Mandatory. Yeah. Moi, je pense qu'on racontera encore une autre histoire à nos enfants, enfin, nos arrière petits-enfants, qui ne sera plus celle qu'on raconte aujourd'hui, simplement. En tout cas, je l'espère. And she thinks there will be another history would be told to our grandchildren, which is different of the one we are knowing today, we're talking about today. Je te remercie, Ludovic. Ça fait du bien.
I really find that interesting because it's really the traditional teachings and the traditional stories, let's say. It's all narratives, it's all stories, it's all about promoting things. They are very nice and everything, but they are not, but the point is that the dogmatistic traditionalistic system is using all this in order to promote, oh, this is relevant, this is so important, and it has to be connected with our life today. And in opposition to that, I find it more interesting to find our own way in our own timeline, to do our own how to say that in English traditions from the Quran, from certain sources, but go and say, okay, we wanna go that way, and not, we don't want to go the way of people of the 7th or 8th or 9th century, but we wanna go the way of people of the 21st century in our situation, in our society, in our mixed and diverse society. And it's therefore thank you, Rashida, for that thought, because I think it's really important. It does not matter how beautiful or whatever the narrative is, the traditional narrative is, as long as it is used to promote certain things, it's useless. I mean, as long as it is used to promote something, it is useless. Donc en deux mots, Christian disait que toutes ces traditions, toutes ces narrations, je vais reprendre ce mot-là, ce sont des narrations avant tout. Et que la difficulté, c'est que ces narrations sont utilisées à des fins qui nous guident vers un dogme, vers un dogmatisme, et du coup enferme la réflexion quelque part. Et il dit que ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est lire, nous faire notre propre, que chacun se fasse sa propre tradition quelque part, avec l'islam, sa lecture du Coran dans le monde du 21e siècle, parce que nous sommes au 21e siècle, dans sa mixité, dans son mélange, et nous ne sommes pas au 19e ou même encore avant. Et donc il remercie également Rachida de nous rappeler que l'histoire, n'est aussi belle soit-elle, n'est pas obligatoire à partir du moment où elle peut être utilisée à d'autres fins que la simple narration. Someone else? Quelqu'un d'autre? Anouar? Yes. What can I get from the discussion is that when we look back at the history, it gives us or it makes me at least realize that the religion is also evolving along with the society, which mean the culture, the social context, and also the interpretations of the dogma that is evolving according to what was relevant at that time, which means now that we are living in modern times, then also I think we really have to look for an interpretation that is relevant to us. I mean, we can't just
accept what has been told for generations and trying to impose to our current situations, because I'm pretty sure that a lot of this interpretation will not match with the current situation. So I think looking back at the history helps us to realize that things change, and we just have to reinterpret again and again to adapt to the current situation or the time where we are living right now. So I think, yeah, that's what I can get from this discussion. Donc pour Anwar, Anwar a expliqué que pour lui, le fait de revenir, de remonter l'histoire, de d'étudier l'histoire, c'est aussi une manière de voir que les choses évoluent, et une manière aussi de ne pas se laisser enfermer dans un dogme, parce qu'on y a cette possibilité de mettre en regard les événements. Et entre ce qui s'est passé à un moment de l'histoire et la situation actuelle. Donc, que là est toute l'importance de remonter l'histoire, dans le sens où on ne va pas juste être des machines à répéter ce qu'on nous demande de répéter, mais qu'on va pouvoir avoir ce regard critique à un moment sur notre propre histoire à partir de l'histoire précédente, de l'histoire avec un grand H. Et moi, je dirais aussi de mon côté que je suis plutôt, effectivement, je rejoins le point de vue d'Anwar qui consiste à dire que ça fait un peu tarte à la crème, mais que c'est en connaissant l'histoire du passé qu'on comprend aussi, qu'on maîtrise ce qui se passe et qu'on peut quelque part débattre avec ceux qui ne s'en détachent pas ou qui l'utilisent, qui l'interprètent à des fins particulières. Qui ne sont pas des fins éthiques ou des fins d'élévation, mais à des fins plus dogmatiques, d'enfermement. C'est en connaissant la même histoire qu'on va pouvoir échanger avec ces personnes-là et débattre avec elles et déconstruire aussi leur discours quand c'est nécessaire. Je suis sûr. Allô? Ah, okay. Wasn't sure you were hearing me. And so for me, I was saying that I quite agree with Anwar, because is when we know history, we will be able to have a debate with people who will use it to close mind people, so it to be a tool for us also to deconstruct their talk, and having the same fact to debate and to reinterpret it. Moi, au contraire, je dirais qu'il n'y a aucune évolution de l'histoire. Moi, je pense que l'histoire, c'est maintenant, quoi. J'ai l'impression que l'histoire ne fait que se répéter. Certes, on peut avoir cette vision pour celui-là qui a envie de d'une certaine d'ouverture de conscience, de voir que effectivement qu'il y a un changement. Mais moi, je ne la vois pas au sens critique positif ni négatif, parce que franchement, moi, je pense que justement l'histoire d'avant est meilleur qu'au niveau islamique. Hein. Je dis bien l'islam du temps du prophète, ça n'a rien à voir avec l'islam contraire. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une catastrophe. Moi, pour moi, je pense qu'il faut vraiment avoir l'esprit critique. Mais l'histoire, est-ce qu'elle change? Je pense pas. Je pense qu'on ne fait que la ramener au moment présent, là où on est. Je pense pas qu'elle évolue.
dans un sens positif. Donc, oui et non. L'histoire peut être positive comme elle peut être négative. Yes. Rashida was saying that for her, history is right now is because for her history doesn't change like. Attends, je suis un peu perdu dans ton explication, pardon, Rashida. J'essaie de tout reprendre. Moi, j'ai vu justement, pour moi, c'est comme dirait Ludovic, on vit dans une schizophrénie, mais l'histoire ne fait que se répéter. Et moi, je pense que l'islam du temps du prophète n'a rien à voir avec l'islam de maintenant. Moi, pour moi, l'islam de maintenant, c'est une catastrophe. Merci. Tu vas saying history is repeating itself, but Islam of the time of the Prophet was much more beautiful. That nowadays Islam, which for her is a catastrophe. Merci. Merci à toi d'avoir répondu. Pas de soucis, avec plaisir. Victor? Oui. Et je suis un peu d'accord avec Rachida, avec ça qu'on dit que l'histoire se répète. Et je me souviens d'une professeure d'histoire qui me disait que c'est vraiment important de connaître notre histoire, parce que comme ça, nous connaisserons notre avenir. Mais dans le cas de l'islam, on peut dire que c'est vrai que notre société, ou le moment où nous vivons, n'a rien à voir avec ce qu'a vécu le prophète Mohammed. Et c'est ça que j'ai à dire. Okay. Victor was saying he agrees with Rashida's point of view because he had a professor who told a history professor who was telling him is when we know the past, the history, we know where we will know the future, or we'll be able to go to the future. But considering Islam through the time of the Prophet is not the same time of the one we're having today, so it has to be seen differently. C'est très intéressant parce que je pensais pas en fait que non, c'est très intéressant. Pour moi, c'est une évidence en fait. C'est peut-être parce que je suis passionné par l'histoire, mais c'est une évidence qu'il faut savoir d'où on vient effectivement. Sinon, mais oui, c'est possible de, c'est sans doute possible de faire autrement, de se concentrer uniquement sur. Sur le présent. Mais dans ce cas-là, on produit des choses qui sont peut-être plus à la fois plus idéalistes et sans doute en même temps plus coupées de la réalité en fait. La réalité en tout cas humaine, de ce que les gens vont te jeter à la figure matin, midi et soir, que ça c'est pas comme ci, ça doit être comme ça, etc. etc. Et donc de manipuler ta propre identité en même temps qu'ils imposent la leur. Mais bon, oui, c'est tout à fait possible de faire autrement et de dire moi, voilà, ça m'intéresse pas. Alors, voilà ce que j'y trouve, voilà ce que je veux en faire, voilà où je veux aller, spirituellement parlant. Et... Oui, c'est intéressant parce que I never thought it. Maybe because I'm passionate about Islam, I never thought that some people might say, no,
I don't want to care about that because this is what I do. So it's very idealist at the same time, but also disconnected from the sociological reality of people manipulating your own identity to impose their identity. But maybe, yeah, you can produce some very interesting things without getting in that dynamic, just by saying, no, but this is who I am, this is what I believe in, this is what I wear with. I want to go, and how I want to go there, metaphysically and spiritually. And yeah, it can work also, absolutely. But, yeah, we're living in a hard world. Vivons dans un monde difficile. So the more tools you have, the better it is, I think. Le plus d'outils vous avez, le mieux vous arrivez à vous libérer tout un tas de pression et d'oppression. Complètement. If you have no other inputs, we can close the session. Oui, okay. La session, si vous n'avez pas yep. d'autres inputs. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peace be on the messengers. الحمد لله رب العالمين. God for all your blessings and salam to all of you. La paix soit sur les messagers. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits infinis et salam everyone. See you next week. Salam. Salam. Have a nice weekend. Bon week-end, à la semaine prochaine, see you next week. Salam, bon week-end. See you next week.